Hey, c'est Frankie, bienvenue! Ah, hot sauce whistle blower, partie 6. 5. 5. Alright, continuez. On va voir où c'est que ça nous mène, parce que c'était supposé de me ramener dans la cour, dehors, en plein assis sur mon propre pénis. Et voilà! J'ai baissé un petit peu le bitrate, fait qu'on va checker si ça charge de quoi. Ok. Si je pourrais y aller. Je savais que ça me ferait mal. Ok. Ok, fuck that. Je pourrais pas les toucher. Ben, calice de style. Oh. Un papier, est-ce quelque chose? Carré. Journal, tuez-nous. Tuez-nous, brûlez le bâtiment. Pire que la mort ici. Tuez-nous, tuez-nous. Ok. Oh, yes. Non, c'est trop dangereux. Tout des cadenas. Bon, allez là. Et là. Je reviens. Bon, désolé de l'attente. Calice. On y va. Et voilà. Yeah. Ça, c'est assez dégueulasse. Ok, juste pour faire ça, ça m'a pris une éternité. Donc, attendez-vous pas à ce que je fasse ça très souvent. Ok! Malgré que c'est drôle, bien sûr. What the fuck? Who's there? Oh yeah, vous ne voyez pas ce violent, t'es le pénis. Hey. Ok, j'ai shut down l'électricité, fait que je pourrais sortir. Tu regardes quoi? Okay. You. Hey, Steve. J'aime d'enlever le courant. Tornac.
Ok, t'en as dit de quoi, toi? Oh. Journal. Non. Note. Je dois réfléchir, Lisa. Je pensais que le courant était une preuve que... une présence humaine contrôlait toujours une petite partie de Mount Massive. Mais quelque chose d'humain ou de sain d'esprit. Rien à faire ici. À part survivre et encore pas longtemps. Tu étais toujours la plus raisonnable de nous deux, Lisa. Tu me dirais de me calmer, d'envisager le problème sous un angle différent. L'euphorie et la barbarie règnent en ces lieux. Quoi que ce soit qui garde l'électricité branchée, ça essaie de me piéger ici. Est-ce que je dois encore la couper? Pas du assistant de l'enlever, c'est un esti de temps. Hey, laisse-moi l'enlever. Il y a pas de sang tantôt. Hey! Fucking shit! Ouais, il ouvre la porte! Il sait ce qu'il fait! Oh! T'en viens-tu? On voit rien. Non, non, non. Peu, il a peur. Des feuilles. Mais rien que je peux lire. Oh. Oui. Ok. Ok, j'avais pas vu ça. Ça m'a fait un peu peur. T'inquiète pas, c'est juste une expansion. Pas supposé d'être si long que ça. J'espère que ce sera juste pas trop long et que je pourrai publier quelques parties, ça serait super. Non, mais je viens de m'ouvrir le sourcil. Quoi ça? C'est bien y'a rien. Donc on y va. Sauvegarde, yeah! Ah.
Allez, grimpe. T'es capable. Oh. Aïe, aïe. Faut toujours tomber en quelque part. I don't want to get Gluskin's attention. He'll hurt us. He'll hurt you. A gift for the groom. Et donc, on l'a marié. Une note de retour à l'intérieur. Comme si plus j'essayais de fuir, plus je me retrouvais coincé. Les hommes morts ne me surprennent plus. Le suicide semble un effet plus sage. Et ça. Semble en effet plus sage. Tiens, Denis. Ok. C'est long comme bout. There's a leak pissing down on us. Je sais pas. There he is. What do you think?
Once we agree. Non, non. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi, cette partie-là doit commencer à être longue. C'est triste, hein? Non? God! Tabarnak! C'est qui? Okay, c'est de là qu'il vient. Oh, come on. Y a-t-il aussi un chemin là? Huh?
Love make a house a home. Alright. Je veux finir la partie. Je sais pas jusqu'où il peut aller. Je sais pas non plus où c'est qu'il est. Là, on va très bientôt finir la partie. Tombé de trop haut. Oh god, you're okay. Tell me you're okay. I think you're suffering without me. Tu souffres sans moi. Would you do something like that to yourself? Rather die than be with me. Il veut qu'on fasse des bébés avec lui. On est tous les deux des hommes, fait que... C'est-tu supposé être ça? I would have loved you forever. Ah, ok, c'est une des fins où c'est qu'on meurt. Ah. Après, on va aller jeter la marque là. Ça. Ah, fait que merci d'avoir regardé la partie. La partie 5. Fait que, ben c'est ça. On se voit dans la prochaine partie. Aïe aïe, c'est vraiment la pire fin que j'ai fait.